Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait enfin eu de l'ectoplasme en bouteille, ça nous avait débloqué plusieurs, quêtes, des requêtes de nos chers amis, et on va aller voir ça tout de suite en jeu. Donc on a Atul, qui est content d'avoir reçu son cadre. Bien joué, petite! Tout ça est magnifique! Tu as tout trouvé! Ma maison n'a jamais été aussi belle! Je suis certain que les autres passagers sont déjà jaloux! Mais nous ne nous offrons pas trop! Et ici, on a Stanley. Je m'ennuie! Je m'ennuie, je suis fâchée! On peut jamais jouer! C'est toujours si strict sur ce bateau! Pourquoi on n'a pas un peu de plaisir? Est-ce que tu pouvais mettre tout ce que tu voulais dans cette machine? Comme dans la fonderie? Ouais! Ce serait incroyable! On pourrait y mettre des ordures! Un vieux soulier! Dégoûtant, mais amusant! Voilà donc pourquoi on avait un poireau qui avait été apparu dans notre fonderie. Je crois que nous devrions organiser un grand dîner pour tout le monde d'abord. Je ne rigole pas! Bon, pas tout le monde. Peut-être juste quelques personnes. Je pense que ça pourrait nous remonter le moral à tous. Tu devrais inviter les gens et leur demander ce qu'ils ont envie de manger. Ils ont trois de nos compagnons préférés. Qu'en penses-tu? Trois de nos compagnons préférés. Sachant que là, on a Beverly, on a Bruce et Mickey, on a Stanley et on a Astrid. Ça fait donc 4. Il va donc falloir qu'on choisisse quelqu'un qui ne viendra pas. Du coup, vous, j'ai toujours pas trouvé ce que vous aimez. Tout le monde aime les sushis. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je trouve comment faire des sushis. Est-ce que vous aimez les sushis si tout le monde aime les sushis? Ouais, mais bon, ça reste pas... Ok, c'est ok. Si je lance la discussion... Une saucisse frite sur bâtonnet. Sérieux, c'est ça que t'aimes dans la vie, une saucisse frite sur bâtonnet? S'il y a que ça pour te faire plaisir. D'ailleurs, on va faire avancer notre bateau. Puisque c'est pas tout ça de papoter. C'est pas forcément la personne que je voulais inviter, mais bon, on verra. De toute façon, on a décidé. C'est déjà prêt? C'est déjà prêt. Ça va nous débloquer des choses, c'est cool. Alors, qui est-ce qu'on invite dans cette histoire? Invite tout le monde au dîner, voilà. Non, invite tout le monde. Astrid! Où tu vas, Astrid? Alors, je te donne... J'ai rien de simple? Ah, mais du poisson grillé, je t'en ai pas donné il y a pas si longtemps. En tout cas, si j'y vais, je devrais manger une soupe aux nouilles. Ce sera probablement agréable de parler à tout le monde, ou pas. On se voit là-bas, pitchounette. Ça va aussi nous permettre de savoir du coup ce qu'ils aiment le plus, hein. C'est cool. Je vais tenir à sauter de légumes. Ils ne mangent rien de frit. Ben, je me souvenais pas. Ou alors, on l'avait pas découvert. Et on va l'inviter aussi, du coup, hein, bien évidemment. On dit tout le monde. Ton ami, avec bien trop d'énergie, a organisé un dîner. La bonne nouvelle, c'est que tu t'occupes de la nourriture, ma chère. Voyons voir. Quelque chose qui nécessite du talent. Un tataki de thon, peut-être. Un tatataki de thon. Mais bien sûr, Chobiti trouve du thon. Un tataki de thon. Déjà que je sais pas comment on fait les sushis, alors tataki de thon. Le tataki de thon. Si vous voyez, vous me dites. Tataki de thon.
un du thon et un légume aromatique. Ah oui, c'est vrai qu'on a cette petite subtilité du légume aromatique vs le légume classique. J'ai déjà fait ça. Oui, mais c'est pas grave, j'en refais. J'ai toujours pas choisi de destination. Je suis parti papoter. Non, on est arrivé. On est arrivé. C'est ça d'avoir l'attention d'un poisson rouge. On va pouvoir récolter notre minerai de zinc, déjà. C'est parfait. De minerai d'argent en même temps, c'est parfait. On va donc pouvoir eh bien avancer dans nos quêtes. Et là, du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là, essayer d'avoir le coffre, et qu'on prendra ensuite Alex, tout simplement. Petite! Voici maintenant la partie difficile. J'ai besoin d'un sous-chef. Quelqu'un pour m'aider à préparer tous les repas. Un bon chef a toujours une bonne équipe derrière lui. Crois-moi, Stella. Nous faisons une bonne équipe. Je vais noter tout ce que les gens veulent. Tu n'as qu'à préparer le tout. Le gros travail, tu sais. Oui, mais faire un tataki... bon. Ok, donc oui, donc logique. Bah, je sais pas si on peut faire une claque purée. Est-ce qu'on va pas mettre de la farine? Vous mettrez de la farine en plus de notre patate? Ça me paraît un peu hasardeux. Mais bon, après tout, on a que deux ingrédients, donc faut bien retranscrire un peu ce qu'on cherche avec deux ingrédients uniquement. Ça reste un beau challenge. Hop, on va aller voir. Je pense que j'ai pas donné à manger à Stanley. Parce que je l'ai pas invité. J'ai pas pu l'inviter. La quête disait inviter tout le monde et en fait, on n'a pas pu inviter tout le monde. Donc là, le coffre qui nous manque. Alors je lag. Merci, jeu. Je te vois. Ah, tiens, on a Beverly ici. Je pourrais rester assis ici des heures. Je ne t'ai pas nourri, je t'avais fait ma chair, je t'ai fait. Les goûts apprivoisés, il est apprivoisé la logobie. Mais ça serait un problème de traduction parce que... Ok, on a un souci avec la logobi. Ah, ça va peut-être nous débloquer des choses du coup. Allez, une couverture chaude instantanée.
je pense que une partie de l'astuce est là. Voilà. Sauf que du coup, ça m'amène que là. Ça me permet pas d'avoir le coffre qui est tout en haut. Bon, je vais arrêter là parce que ça lag beaucoup trop. On va repartir sur le bateau. Et on va surtout prendre Alex. Qui est juste là. Et du coup, c'est intéressant si la logobi est moitié buggée, qu'en fait c'est pas du. Pas des légumes, ok. Oui, avec ça je peux mettre n'importe quel sucrant. Et on va pouvoir faire les expérimentations demandées par Stanley. Hé, as-tu choisi ton premier matelot? Et il voudrait choisir qui on choisit. C'est de famille. Pour être honnête, je ne veux pas seulement recevoir d'ordre de la part du chat. Stella, tu cours partout, tout le temps. Tu fais toutes les courses pour tous les gens. Tu fais passer les autres devant tes propres besoins. Quand je te regarde, je me vois un peu en toi. Le sais-tu? Mais laisse-moi te partager un petit secret. Tu aimes peut-être être partout à la fois aider les autres. Mais tu as besoin de prendre du temps pour toi. De faire quelque chose pour toi seulement. C'est quelque chose que je n'ai moi-même jamais réussi à faire. J'imagine que c'est pour ça que je suis ici. Dans ce monde, sur ce bateau. C'est pourquoi Viv et mes filles ne sont plus à mes côtés. Bon, au moins nous sommes là l'un pour l'autre, petite. Alors, du coup, on a le droit d'expérimenter. Oh my god. Donc c'était pas ici qu'on avait le poireau. J'arrive, Alex, j'arrive. Je t'entends. Faut que je réussisse à faire des choses ou juste dégueu, dégueu. J'ai fait une expérience ratée. Oui, donc ça me laisse penser qu'il y a des expériences qui peuvent ne pas rater. Et on a dit qu'on allait du côté de Hall Central District. Les 4 South Point aussi, faut que j'y aille, il me semble. Ça doit dire par ici. Et il n'y a pas plus proche. C'est parfait. Donc je pense qu'on n'aura pas la nuit assez longue pour réussir à y aller. Pas très grave. Ah, ici il nous manque un coffre. Ok, c'est pas super grave. South Point, Hall Central District. C'est parti, Hall Central District. Donc a priori il faut réussir des expériences. Fond un vieux soulier. Je vais faire dans le bon sens. Fondre un vieux soulier. Et il faut la fonderie et pas la forge ou la fonderie. Comment je fonds? Eh, j'en ai peut-être pas des vieux souliers. Ah bah c'est ça, j'en ai pas. Je n'en ai point. Ok, mouton de menaçant, c'est juste une annonce, mais par contre, je peux peut-être la regarder. Est-ce que je fais les ventes? Bah oui. Les ventes est là.
un petit peu d'argent, ça fait un petit peu de lueur. Un petit peu de roche, bien évidemment. Il est chiant ce petit recoin. Voilà. C'est fini. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va avoir des tomates. Et de l'ail. Va-t-on pouvoir faire des choses sympas avec tout ça? Je l'espère. Malheureusement, il fait déjà trop noir. Bonne nouvelle, va-t-on avoir un soulier, va-t-on avoir un soulier, va-t-on avoir un soulier? Et non. Ce fail. Je n'ai pas gardé de soulier. On se fait pas trop d'illusions, hein. Il nous reste des graines étranges et c'est pas super compliqué d'en obtenir. Donc... Au pire, ça fera le taf. Ah oui, effectivement, ça coûte moins cher. C'est vraiment top. D'ailleurs, je crois qu'on a reçu une amélioration et qu'on n'a pas été voir. De la stalle à vache. De une potion d'expérience. Ah oui, je sais même pas ce que c'est. Et du tissu de soie. Ok, je sais pas ce que c'est, donc on verra ensemble. Mes moutons menaçants, ça ressemblait à un transparent. Qu'on pourrait regarder avec ça. Certes, un mouton. On essaiera dès que possible de lancer les ventes pour obtenir des ectoplasmes en bouteille. Alors, il me faut une soupe de nouilles, il me faut du tataki de thon. Je suis même pas sûr d'avoir un thon. Alors, la soupe de nouilles, c'est pas compliqué, on a dit la dernière fois farine de riz. Hop, ça sera fait. C'est pas mal. Alors, il nous faut tissu de soie qu'on pourra faire. Feuille de cristal, on devrait pouvoir faire. Fondre d'esprit, par contre, effectivement, va nous en falloir un petit peu.
Voilà, pour la soupe de nouilles et pour le tataquiton. Que je le retrouve. Tataquiton, thon et légumes aromatiques. Je suis pas sûr d'avoir un thon. Je suis vraiment pas sûr d'avoir un thon. Et je confirme ne pas avoir de thon. Ah là là. Ah là là. C'est pas grave, on est arrivé à destination. Et il fallait qu'on trouve un transparent. J'ai envie de dire, il y a un coffre qui est juste là. J'essaie de monter un peu à l'aveugle. Je sens que mon PC souffre un peu pendant certaines phases de ville. Je m'en excuse complètement. J'ai prévu que je le change. C'est si intense! Regarde tout le monde en bas! Des fourmis. Nous sommes des géants. Je pense qu'on vaut mieux qu'eux. J'ai trouvé de l'améthyste. C'est toujours pas un transparent, mais ça fera le taf. Je vais voir qu'il y avait un bâtiment juste là. On descend doucement. La porte est barrée, la personne qui vit ici a un super système de sécurité, il doit être prank freak, ce qui veut dire que il y a quelque chose qui doit avoir de la valeur à voler à l'intérieur. C'est pour ça que je ne verrai jamais ma porte d'entrée, pour laisser savoir aux gens qu'il n'y a rien de valeur à prendre, ce qui n'est pas vrai, mais c'est pour jouer dans la tête des gens. Tu peux entrer, mais tu entreras dans un monde de douleur, c'est pas moi qui fais les règles, Scout, c'est seulement la vie. Bah je suis passé par en haut. Voilà une bonne chose de faite. Ah, il y a un autre coffre par là, je l'ai vu. J'arrive pas toujours à faire le... Voilà. Une grosse bouteille de lueur qu'on va tout de suite ouvrir. 500 lueurs, c'est parfait. Et je pense qu'on est pas mal. Suffisamment pas mal. On a trouvé deux coffres. Est-ce qu'il en reste? Non, il reste plus de coffres. Bon, c'est cool. On a fait tous les coffres ici. On va aller à South Point tout à l'heure. D'ailleurs, on va aller à South Point. Pof. Du coup, on va pouvoir dire à Beverly qu'on a trouvé ce qu'il fallait. Le manque de nourriture sur ce vaisseau est
déprimant. Bah, du coup, est-ce que tu joues mon Alou Gobi? Ah là, il est un petit peu bugué, notre Alou Gobi, ça veut dire. Il a fait des sushis! C'est parfait. Si vous pouvez juste me choper du thon, en mode thon, et puis. Plutôt qu'en faire des sushis. Hein. Non, tu vas où? Alors, où est Beverly? Parce que du coup, j'ai un peu trouvé. Ah, il faut le projeter. Hop. Ah bah oui, elle nous attend là. Du coup, Henri, 8 ans. Oh, c'est mignon. Regardez ça! C'est pas un robot géant? C'est moi! J'ai l'air si jeune! Oh waouh! Il me dessinait en train de tricoter sur cette chaise! Oh! Henri! En grandissant, il est devenu un amour. Avant, c'était un petit monstre. Genre d'enfant bruyant pendant l'émission de télé, mais calme pendant les pubs. Un jour, il s'est calmé. C'était étrange. Du jour au lendemain, il est devenu papa. Génial et silencieux. Très silencieux. Il s'est retiré dans ses pensées. C'était drôle de penser dans ta tête la nuit. De rêver. Ouais, de rêver à ça. Vraiment, c'est plutôt cool. Ah, je t'ai pas nourri, mon gars. Alors, tu aimes tout ce qui est petit déjeuner? Est-ce que je suis un champion? Je vais maintenant manger ce petit déjeuner! Je sais pas s'il y a d'autres scarabées fantômes sur ce bateau. Jacob pourrait avoir un ami. Mais d'un autre côté, j'aime qu'ils soient avec moi. Ils les voient. Elles me remplissent de tristesse, mais grâce à Jacob, je peux les éviter. Une fois, une d'elles m'a mordu le nez. Savais-tu ça? J'ai allumé la lumière, elle a eu peur. C'est le truc avec les ombres de poussière. La lumière leur fait vraiment peur. C'est pour ça qu'elles se cachent dans l'ombre et que personne ne peut les voir. Et c'est pour ça qu'elles n'aiment pas ta ceinture. C'est rempli de lumière. Ouh, tu as méga faim, méga faim. Donc pour l'instant, je vais garder ma saucisse frite sur bâtonnet, mes nouilles et tout, en espérant pouvoir eh bien, faire du thon. Parce que je crois que je suis vraiment pas tombé sur le truc simple. Surtout pour moi qui n'arrive pas à pêcher. Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse ici? Parler au livreur. Saurais-tu le livreur? Toi, là. Tu es ici pour les citrons? Oh, bien. Écoute. Sois cool. Et t'en fais pas trop avec ça. Prends ces citrons et kikarpi. Je ne les veux pas dans ma vie. Je n'ai pas besoin de ces problèmes. Ok. Parfait. J'imagine qu'il voudra les rendre. À qui? Je ne sais plus. Minerai, ça fait le taf. Elle ramasse du minerai, c'est parfait. T'aimes pas le sucré. T'as droit à un sauté de légumes, du coup. C'est parfait.
j'arriverai de faire. Ah, peut-on monter? J'ai un moyen de monter plus. Comment puis-je monter plus? Bon, les poubelles, elles sont magiques, mais... Oui, en fait, elles sont quand même bien magiques. J'avais pas forcément percuté qu'on pouvait rebondir et sauter ainsi de plus en plus haut. Ici, y a rien. Je vois rien d'autre. Ça veut dire que ça aurait pu nous débloquer. Je pense que c'est ça qui va nous débloquer pour la Villa Magior que j'ai loupé. À l'heure, je la ferai peut-être en off. Ah oui, le foreman qui est un petit peu bugué parce qu'il est pas en français. Et là, j'ai rien pour rebondir. On va voir si on n'a pas quelque chose en dessous pour rebondir. Non. Ah si, je pouvais. Ah oui, je peux rebondir que là du coup. Je l'ai pas, la petite astuce. Et pourtant, il y a un coffre en haut, donc on doit pouvoir y aller. Le problème, c'est qu'ici, dès qu'on est arrivé là, on s'arrête de sauter. Mais c'est pas grave, on a fait ce pourquoi on était venu ici et on va eh bien tout simplement s'arrêter là. On verra ce qu'on peut faire pour la suite. Et on verra du coup la requête qu'on a eh bien lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce et on se dit à très bientôt pour la suite. Bye bye!